Encore un peu de cidre. Ah ben, je me demande si ça serait bien prudent. Manger les tripes sans cidre, c'est aller à Dieppe sans voir la mer. Ah oui, mais ça me... Les bulles? Oui. Ah ben, c'est la biscotte. Ah bon? Ah ben oui, ça donne des bulles. Dites donc, garçon, est-ce que le chou farci est à température? Voilà, monsieur. Très bien. Mais vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes? Si. Mais non. Si. Me donnerez la crème fraîche avec mon chou farci. Bien entendu, monsieur. Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça? Si. Mais à votre âge, ça peut être dangereux. Mais j'ai toujours vécu dangereusement. Moi, des choux farcis, je ne ferai même pas une bouchée, moi. Mais parce que vous savez pas manger. Vous allez voir. T'as, donnez-nous deux calvars. Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse, et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, messieurs. Oui. Mais comment on boit ça? Du sec. Allez. Hein? Oh, c'est... Donnez-moi du chou farci. Ah, vous voyez? Ah oui. Bon, ben, il est dedans, derrière ça, devant le petit civalier. Bien, monsieur. Oh non! Ah si! Oh non, tu sais. Si. Hein? Ou alors avec un petit calva. Ah non! Avec un bon petit Beaujolais qui a du corps. Ah bon, faites chambrer le Beaujolais, vous. Oh, jamais, voyons. Jamais, à la température de la cave. Julien a 57. Parfait. Vous ne savez pas vivre, mon petit. Il y a que votre argent qui vit. Vous, vous êtes un fantôme. Oh, ben, le fantôme, il vous dit merde, hein, voilà. Ah, ben, dites donc, il y a eu progrès. Vous allez voir. Hé, ça vient le Beaujolais. Alors, allez. Hé, doucement, on n'irait jamais jusqu'au bout. Il y a encore le lièvre, et puis après, il y a les profiteroles. Les profiteroles? Ouais. J'adore ça. Mais, c'est vrai, vous avez raison, je ne savais pas vivre, je ne sais pas vivre. Mais c'est bon de vivre, c'est dangereux, mais c'est bon, bon, regardez-moi ça, là. Eh ben, mon vieux.